Jean-Jacques Ayagon intéressé par la mairie de Metz, c'est ce qui ressort en tout cas d'un article paru ce matin dans Le Républicain Lorrain. Le ministre de la Culture et de la Communication a en effet confié qu'il souhaitait se lancer dans la campagne des municipales de 2007 à Metz, sa ville natale. Auparavant, il envisage de conquérir un premier mandat aux élections régionales de 2004. Je vous propose d'écouter deux réactions. Jean-Jacques Ayagon, moi j'ai énormément d'amitié pour lui, énormément d'amitié. Énormément d'estime. Je trouve que c'est un type absolument remarquable, qui bénéficie d'ailleurs d'une image prodigieuse partout, où on lui trouve une gentillesse formidable, un entre-genre, une intelligence, une sensibilité extraordinaire. Il serait certainement, incontestablement, un très bon maire de Metz. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Et vouloir, moi, me faire dire 4 ans avant la fin du mandat, si je suis pour Dupont, Durand ou Duval, me semble pas du tout normal, parce que je ne vois vraiment pas pourquoi. J'irai expliquer à mon conseil municipal, avec lequel je dois quand même normalement gérer cette ville, en dehors des bagarres politiques, que j'ai déjà pensé à les vider tous pour les remplacer par quelqu'un qui vient d'extérieur. Ça me semblera pas convenable, non? C'est une annonce du Républicain Lorrain, ce n'est pas une annonce du ministre de la Culture. Donc j'attendrai les déclarations du ministre de la Culture, que j'aime beaucoup par ailleurs. Dans les faits, ça ne vous intéresse pas, le fait qu'éventuellement ils vous rejoignent? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les hommes s'expriment, et pas les journaux à leur place. Vous, il vous a rien dit? Rien. Justement, cet après-midi, nous avons joint par téléphone le cabinet de Jean-Jacques Ayagon. Il confirme qu'il songe à se présenter au régional, mais juge prématuré qu'on parle de lui à la mairie de Metz. Jean-Jacques Ayagon, moi j'ai énormément d'amitié pour lui, énormément d'amitié, énormément d'estime. Je trouve que c'est un type absolument remarquable, qui bénéficie d'ailleurs d'une image prodigieuse partout, où on lui trouve une gentillesse formidable, un entre-genre, une intelligence, une sensibilité extraordinaire. Il serait certainement, incontestablement, un très bon maire de Metz. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Et vouloir, moi, me faire dire 4 ans avant la fin du mandat, si je suis pour Dupont, Durand ou Duval, me semble pas du tout normal, parce que je ne vois vraiment pas pourquoi. J'irai expliquer à mon conseil municipal, avec lequel je dois quand même normalement gérer cette ville, en dehors des bagarres politiques, que j'ai déjà pensé à les vider tous pour les remplacer par quelqu'un qui vient d'extérieur. Ça me semblera pas convenable, non? C'est une annonce du Républicain Lorrain, ce n'est pas une annonce du ministre de la Culture. Donc j'attendrai les déclarations du ministre de la Culture, que j'aime beaucoup par ailleurs. Dans les faits, ça ne vous intéresse pas, le fait qu'éventuellement ils vous rejoignent? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les hommes s'expriment, et pas les journaux à leur place. Vous, il vous a rien dit? Rien.